Bonjour à tous, c'est FT Moza. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un gros massacre à la KS5 en élimination confirmée. Donc un très gros massacre, vous allez voir ça. Plus de 60 frags, 100 kill streak, juste avec le drone et le piratage système. J'ai juste ça comme kill streak, j'ai rien d'autre. C'est vraiment mes deux seuls streaks. Vous allez voir que je bien carry la game à la KF5, donc une arme à laquelle je joue plus beaucoup maintenant. C'est vrai qu'elle a que 7 de cadence de tir par rapport à toutes les autres armes, c'est rien du tout. Même si elle fait très mal. Franchement, elle a une tellement grosse portée qu'elle fait très mal à courte, à moyenne de distance. Et si t'as un bon shoot à longue distance, elle fait très mal. C'est bien plus mal que la CM1. Mais le problème, c'est que voilà, que cette petite pointe de cadence de tir, et par rapport à la balle 27, on a le double, ou à la CM1 qu'on a quasiment deux fois plus, quoi. Ça fait pas beaucoup. Donc c'est un vieux gameplay parce qu'il date d'assez longtemps. Je vais essayer de voir ça. Il date avant les patchs, les gros patchs qui ont été faits sur la KX5. Il date du 10 décembre. Du 10 décembre. Ça fait quelques mois. Donc c'est un très vieux gameplay. Mais bon, je l'ai retrouvé sur mon PC. Je me suis dit, tiens, c'est quand même un beau gameplay. En plus, j'en ai beaucoup à la KF5, à la CM1 et à la BAL 27, forcément, c'est les deux armes. La CM1, c'est la semi-trade qui est vraiment très bien. Et la BAL 27, c'est une arme très polyvalente. Donc voilà, c'est super facile à gérer. Je me suis dit, pourquoi pas proposer un gameplay à autre chose que ces deux armes. Et j'ai eu ce gameplay qui traînait. Et donc voilà, donc c'est avant la mise à jour, comme je t'ai dit. Vous allez voir que des fois, je vais mettre pas mal de balles et des fois, je tourne 2 balles. Bon, à l'heure actuelle, 4 balles de loin, c'est ce qu'elle fait. Franchement, une très bonne arme que je vous conseille. Je préfère même celle de base à toutes les autres que j'ai. Donc, j'ai lesquelles. J'ai la KF5 GR8, je sais pas quoi. La Marksman et la Bricknet. Et entre ces 4 SMA, donc celle de base, j'utilise quasiment que celle de base parce que je les utilise quoi. Parce que c'est vraiment celle que je préfère. Donc voilà. Donc je voulais aussi vous remercier parce qu'on est quasiment 1800 abonnés sur la chaîne YouTube. Et ça fait vachement plaisir, c'est cool. Tous ceux qui me disent tout le temps je vais en parler à mes potes pour qu'ils s'abonnent et tout, pour qu'ils aient voté ta chaîne et tout, je trouve ça vraiment super sympa les gars, c'est sympathique de faire partager la chaîne. Surtout que en ce moment on fait plus tellement de vues, hein. C'est bien d'avoir beaucoup d'abonnés. Mais j'ai beaucoup d'abonnés inactifs et c'est un peu embêtant. C'est grâce aux chaînes communautaires que j'ai autant d'abonnés. Grâce à Code QG qui ont fait gagner 300-400 abonnés en début de saison de Call of, on va dire. Au mois de novembre, avec la première DNA mondiale, on le sait que j'avais proposé à la Code QG, ils ont accepté. J'ai gagné 300-400 abonnés et ils sont pas très actifs, on va dire. Je sais pas s'il y en a encore entre de ceux qui me regardent au quotidien. S'il y en a encore, s'il y en a qui sont venus grâce à Code QG, mais enfin, s'il y en a, dites-le en commentaire. Ça me ferait plaisir pour savoir un peu. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois que je suis passé sur Code QG, donc je peux savoir encore au bout de 6 mois qui de Code QG me regarde encore. Ça me ferait plaisir de le savoir, histoire que je me dise tout ça un peu dans la tête. Voilà. En tout cas, c'est cool aussi tous ceux qui mettent un like à la vidéo, parce que on ne dirait pas comme ça, c'est vraiment un petit truc rapide à faire, c'est vraiment un truc qui coûte rien, mais mettre juste un petit like, un petit j'aime à la fin de la vidéo, ou un j'aime pas, ça c'est comme tu veux après, mais le j'aime pas, moi ça change rien que tu mettes un avis ou que tu en mettes pas, que tu mettes un j'aime pas ou un j'aime, ça change rien. Mais non, je raconte, non, justement, si, ça change beaucoup de choses. Mais que la personne mette un j'aime pas ou ne mette rien, ça change quasiment, ça change rien du tout en fait. Juste pour ceux que ça intéresse, ça fait quelque chose, mais sinon ça change rien du tout. Mais en tout cas, mettre un j'aime, ça change beaucoup de choses. Ça fait partager la vidéo, ça aide à la faire partager tout simplement. Et du coup, c'est toujours hyper sympa de voir
que les gens like. Et c'est pas pour me plaindre, mais en ce moment j'ai un peu moins de likes qu'avant. Et plus vous mettez de likes, franchement plus ça aide. Ne vous dites pas que ça sert vraiment à rien, que c'est juste c'est pas un truc anodin en fait. C'est vraiment un truc qui aide vraiment. Donc bah tous les abonnés qui like à chaque vidéo, tous les abonnés qui mettent un j'aime dès que ta vidéo sort, dès qu'elle est publiée, je vois des likes qui se mettent, ça me fait vraiment plaisir. Et en tout cas, c'est vraiment sympa de tous ceux qui font ça, hein, c'est vraiment cool. Et je vous remercie tous pour tous ces likes et tous ces partages, ça fait énormément plaisir. Donc là, on peut voir que je suis en série, en assez bonne série. Donc là, je suis seulement 10 en fait. Je m'étais fait tuer en assez bonne série avant. Et j'ai ramassé une AK-12 modifiée, je ne sais plus laquelle que c'est. L'AK-12 lance. Voilà, viseur point rouge avec un accessoire. Et bon, elle n'a pas besoin de beaucoup, la AK-12, parce qu'elle n'a pas de recul et elle fait assez mal. Donc, du coup, c'est plutôt sympa. Surtout sur ce côté de la map. Bon bah comme vous voyez, je suis en train de légèrement les spawn killer, même en EC. Lui campé là, le pauvre. Je suis en train de les spawn killer légèrement en EC parce que elle a beaucoup de. À longue distance, la K12, son élément. Et puis voilà, donc aussi je jouais au piratage system. Je l'ai déjà dit, mais je jouais au piratage system avec temps bonus x2. Temps bonus x2, je crois que ça fait durer le piratage system. Plus 30 secondes, il me semble, même 45 secondes si je dis pas de bêtises. Et 45 secondes, surtout sur cette map qui est assez petite, avec le piratage système, du coup, voilà, je pouvais rush comme je voulais. J'étais aussi en solo, j'étais pas accompagné d'une. D'abonnés, de membres du clan, ni rien, j'étais en solo. Du coup, voilà, il y a que moi qui sortais de l'électrique quasiment, il me semble pas que mes collègues ont fait grand chose. Je sens pas que mes collègues ont fait grand chose. Ça m'étonnerait qu'ils ont fait beaucoup de choses. Là, on peut voir que je suis qu'à. Je suis même pas à 20, il me semble. Alors qu'il reste plus que 2 minutes. Et à l'époque, ça se finissait à combien? Les plaques. Non, ça se finissait déjà à 85 plaques. Ouais, sûrement, parce que je suis déjà à 69. Ouais, normal. Donc ça devait se finir déjà à 85. Donc là, il reste que 14 plaques. 2 minutes. Et j'ai pas encore ma DNA. Pas encore. Du coup, je rush pour la voir. Et vous allez voir, je sais plus à combien de frags je suis actuellement. Je crois que je suis en plus de 50 frags et série de 25, donc on a 5 kills à faire. C'est bien plus simple quand on joue sans score streak. Qui font des kills tout simplement meurtriers. Parce que tu sais à combien t'es en temps et en heure, vu que elle l'affiche à chaque fois, à chaque série de 5. Et t'as pas les score streak meurtriers qui te dérange, parce que quand tu débloques ta nucléaire alors que t'as fait 20 frags à l'arme, tu l'attends ta DNA, alors que là au moins c'est tranquille. En plus, comme j'ai un bon casque là, on peut voir que je l'ai bien entendu tout à l'heure grâce au casque, parce que le casque avec le piratage système, on les entend vraiment fortement, alors que quand ils marchent tu les entends pas, les mecs pourraient passer avec toi, tu les entends un petit peu de temps en temps dans certaines pièces de certaines maps, mais en temps normal passer que toi tu les entends absolument pas. Et je débloque ma DNA. Voilà. La DNA, 30 frags d'affilée avec la KS5, un peu de la K12. Et on peut voir qu'ils s'excitent tous. Il n'y en a aucun qui rage quitte. Ça c'est. Je me fais tuer comme une merde. Ah oui, j'ai oublié ça, je vous ai tué comme une merde. Ah, je me suis vraiment fait tuer comme une merde, mais bon. C'est ça qui est bien de temps en temps, enfin, surtout quand on tombe sur des mecs qui sont pas très forts. Les mecs ne rage quittent absolument pas, ils sont là pour jouer tout simplement, ils s'en foutent de leur arme, ils cherchent pas à avoir l'arme la plus cheatée comme il y en avait à Yakadouz, etc. Ils cherchent pas à se prendre la tête, ils jouent, ils se prennent des DNA. Et c'est pas grave, ils assument complètement de se faire massacrer, c'est tant mieux. Donc voilà, la game est finie, la partie est finie, la vidéo est bientôt finie. J'ai fini en 65 frags en EC, en moins de 10 minutes. Donc c'est un assez bon score, surtout que je l'ai fait que à l'arme, sans kill streak ni rien. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de ce gameplay. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en avez pensé.
On se dit à très vite, à très bientôt. Et n'oubliez pas, laissez un petit j'aime, ça fait vachement plaisir. Allez, ciao.